Donc la nuit, ils sont censés traverser l'Atlantique et trouver les internationaux, ils ne sont pas là. Donc on sait qu'on les absents. Merci mon cher Adrien pour le voir, de nous avoir réunis dans ce bel hôtel, plein d'histoires, mais surtout plein d'avenir. Chers amis, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, donc, l'ordre du jour, nous allons parler de la constitution européenne, qui est le discours royal qui date du 9 mars. Sa Majesté Roi Service, il a fait un discours dans lequel il a prononcé justement ce discours pour demander à la suite de l'européenne, que ce soit aux acteurs politiques, économiques, associatifs, de participer, d'enrichir le débat. Donc la commission de travail, depuis quelques semaines, elle va rendre sa copie en principe le 16 juin 2011. Il va y avoir un référendum en principe au mois de septembre. Et si tout va bien, il se peut qu'il y aura des élections anticipées. Et si ce n'est pas le cas, donc, plusieurs élections auront lieu en 2012. Je crois que le maximum, c'est en juin 2012. Comme ça, on aura une nouvelle configuration à la fois parlementaire et gouvernementale. Donc, le débat aujourd'hui, on va parler de la constitution marocaine. Et avant de parler de ce débat, j'attire votre attention que certains le connaissent, d'autres ne savent pas, que depuis quelques semaines, il y a un groupe de militants, d'amis qui travaillent en France, encore évidemment avec d'autres amis qui sont en Europe et d'autres qui sont en Amérique du Nord. Donc l'objectif justement, c'est de savoir le pourquoi de la chose. Pourquoi les Marocains ont voté en 1984, sachez-le pour ceux qui ne le savent pas, on a mis une représentation à l'Assemblée nationale marocaine. Donc on avait des députés marocains qui représentent les Marocains étrangers. Donc aujourd'hui, avec le développement de l'informatique électronique, en principe, on pourrait concevoir ça avec le développement, avec un consulat électronique, avec un e-consulat, des spécialistes. Ils sont là, ils sont ailleurs, ils peuvent nous éclairer par rapport à tout ça. Donc sachez-le qu'en 1984, nous avions la possibilité, nous Marocains étrangers, 5 200 000, selon la statistique du média en 2008, en 1984, nous avons pu voter et élire des représentants. Donc 27 ans après, on est en train de travailler sur des acquis. Maintenant, je souhaite qu'on rentre dans le vif du sujet. Le programme, comme vous l'avez bien compris, aura un léger changement. Le premier intervenant, c'est notre ami Mohamed Benafia, qui est docteur en sciences économiques, diplômé de l'Université Paris-Dauphine, consultant en management. Il va nous parler de la place socio-économique des Marocains vivant à l'étranger.